Après la mort, il se passe ça. Moi j'ai... Enfin, j'étais pas éduquée là-dedans en fait. Et on a eu vraiment de plus en plus de phénomènes. Euh, et et c'est-à-dire on... ça s'accentuait de quelle manière finalement bah, si ça on... démarre par des pas, par des petits bruits, puis après, ça se montre, c'est bah, Après, oui, on voyait des silhouettes euh, traverser euh, une pièce, euh, euh, des bruits, des bruits de pas, mais super lourds, des voix, euh, euh, comme si on tirait des meubles aussi. On entendait souvent ça, comme si on poussait des armoires. Ça faisait des boucans. Euh, vous savez, c'est euh, fou, fou, comme ça. Vous vous demandez ce que c'était. Et c'est vrai que ça s'est accéléré. Et un jour, euh, je recevais euh, M6 pour une émission sur le patrimoine, pas du tout sur le paranormal. Et la journaliste, je lui ai dit que je me sentais mal. J'avais fait une erreur de casting en fait. Sur le coup, j'ai regretté. Okay. Et elle m'a dit euh, c'est pas grave, euh, je vais euh, inviter quelqu'un. Et elle a invité un médium. Et pour la première fois de ma vie, euh, on a eu, euh, on a enregistré des voix, on a eu des photos. Et j'ai passé une nuit incroyable parce que là, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit mais voilà, après la mort, il se passe ça. Moi, enfin, j'étais pas éduquée là dedans en fait. Voix reçue en direct par Manu Delpech au château de Fougeray lors d'un atelier de transcommunication effectué en 2022. Kevin demande s'il va récupérer son permis rapidement. Un guide répond, il nous a trahis. Est-ce que Kevin va récupérer son permis euh, assez rapidement pour vous le guider il nous a il nous a Au ralenti. Et c'est quoi Ils vous expliquaient quoi ces médiums C'est une vie parallèle qui, qui qui que nous, on ne peut pas voir, mais eux nous voient c est, c est, Comment ça s'explique bah, En fait, il y a des gens qui, une fois décédés, euh, l'âme évolue, euh, elle, elle continue d'évoluer, elle est plus accrochée au matériel, à son ancienne vie, et après, normalement, elle se réincarne, et on choisit nos incarnations, d'ailleurs. Et Il y a des gens qui sont mal morts, et c'est ce qui se passe à Fougeray. Des gens morts jeunes mmh. euh, pour la plupart, et ils sont euh, cette mort, euh, ils la ressentent comme une injustice. Et ils restent accrochés dans leur lieu, et ils restent accrochés à leur matériel, vraiment à leurs affaires. Et ça, nous on a, on a vraiment vécu des choses incroyables. Euh, ils restent accrochés vraiment à leur cest qu'ils refusent de, de mourir en fait. Bah, finalement, exactement. ils n'acceptent pas ça exactement. Ça. Et, et ces médiums, quand vous les recevez, alors ils vous disent quoi C'est un peu la première fois pour laquelle vous communiquez avec l'invisible. Tout à fait. Qu'est-ce que qu'on que, qu qu vous raconte finalement à ce bah, moment-là Qu'est-ce qu'ils on... vous disent ces gens Alors c'est c'est enfin, assez bizarre parce que moi j'ai pas été éduqué là dedans. Alors c'est vrai que pour moi c'était assez déstabilisant. Bah, Il nous explique euh, euh, justement que l'âme ne meurt jamais déjà bon, et que euh, après la mort en fait euh, selon la façon dont, dont on meurt euh, l'âme elle a un travail à faire c'est à dire que déjà euh, euh, les gens qui se sont suicidés ils ont un vrai travail à faire, euh, les gens qui sont morts jeunes ils savent pas forcément qu'ils sont morts donc il faut les accompagner donc il m'explique tout ça et moi c'est vrai que les premiers temps j'ai été extrêmement déstabilisée, vraiment. Et la première fois qu'un invisible, vous les appelez comme ça les invisibles hein. oui. c'est pour ça, alors pour les gens qui nous regardent, c'est les esprits, c'est les fantômes oui, évidemment, la, la première fois que vraiment vous entendez la voix d'un invisible qu'est ce qui se passe qu ah ben qu moi j'étais en fait euh, j'étais en train de nettoyer euh, une armoire alors cette photo faut que je vous en parle après j'étais en train de nettoyer une armoire et j'ai entendu une voix près de mon oreille d'une femme très agacée une femme d'un certain âge qui me dit qu'est ce que vous faites là comme ça et là franchement j'ai tout lâché j'avais des montées d'adrénaline je dis mais qu'est ce que c'est quoi enfin hmm. pourquoi et ça s'est accéléré vraiment. Après, il y a eu à un moment donné, euh, moi, j'étais, je voulais plus retourner à Fougères. Alors ça, il faut que je fasse cette photo. Cette petit... photo. D'ailleurs, il y a deux photos. Oui. Alors, wow. c'est une évolution. Euh, en fait, cette photo, on était en train de faire, voilà, du guéridon avec le guéridon que vous voyez là. Il y a une petite masse noire qui est devant la chaise. On peut croire oui. que c'est un vêtement, mais c'est une petite masse qui est apparue comme ça. Et après, il y a la grosse masse, voilà, que vous voyez. C'est assez bluffant. Et là, ouais, ouais, comme vous dites, ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh ben, on... euh, il se passe que, si vous voulez, c'est ce que j'explique pendant les visites. Euh, on... On devrait dresser euh, carrément une typologie du, du fantôme, mais ça, c'est ce qu'on appelle, nous, des masses informelles. Noires, mais vous voyez qu'il y a une orbe blanche, il y a de l'énergie lumineuse dedans quand ouais. même. Euh, c'est très troublant parce que euh, euh, quand on voit des silhouettes, euh, ça peut être des masses informelles comme ça. Noires, ça peut être des masses informelles comme des petits nuages. Euh, gris clair, comme un peu de la fumée exactement, ça. on a des photos eh ben un comme peu un ça, ce style par exemple, là, voilà. là c'est pas tout à fait informel on voit quand même quelqu'un ça peut être, là c'est pareil on, bon, on distingue quand même mm. euh, ça peut être euh, des silhouettes extrêmement bien découpées ça peut être plein de choses différentes, c'est c'est pas toujours pareil, c'est ce que je veux dire par contre au niveau temps, au niveau timing vous avez pas le temps de dire papa attends je vais faire un selfie ou je sais pas quoi c'est très rapide parce que mm. nous on a vécu énormément de choses. Bah, samedi dernier encore, il y a un groupe de gens qui a vu, mais vraiment une silhouette passer à un endroit précis. Et, euh, et moi je veux bien les croire parce que je l'ai vu cette silhouette passer à cet endroit-là. Alors euh, toujours au même endroit d'ailleurs. Euh, on n'a pas le temps. Oui. Euh, voilà de dégainer l'appareil photo, le portable. Des fois on est en état de sidération. Mmh. Vous voyez donc c'est compliqué de collecter des preuves. Mais, mais comment vous expliquez justement parce qu'on va pouvoir montrer des images. C'est toujours les images des esprits, c'est toujours des images un peu de mauvaise qualité on va pas oui. se mentir, bah, celle-là par exemple alors, on le oui. voit clairement mais c'est oui, toujours de mauvaise voit. qualité oui. à l'heure de l'iPhone 16 des téléphones qui sont meilleurs que des appareils photo, comment on explique qu'on peut pas faire des images de meilleure qualité bah, Dites-le, c'est les esprits qui se montrent comme ça, un petit peu, euh, euh, voilà, de façon soit informelle, soit trouble, soit flou. C'est eux qui se montrent comme ça. Mmh. C'est euh, vraiment extrêmement rare, euh, si vous voulez, euh, de voir un esprit comme je vous vois. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Moi, nous, on a vu. Alors ça, par exemple. Ça, là, il y a une histoire incroyable. Ça, c'est les photos faites avec la machine de l'IFRES, l'Institut français de recherche et euh, d'expérimentation spirit. J'adore ce qu'ils font. À chaque fois qu'ils sont venus à Fougeray, on a eu des résultats. Alors, je vous explique. Euh, c'est une caisse à l'intérieur. Il y a de la brume pour aider les esprits à se matérialiser. Il y a des rayons laser, etc. On ouvre une séance de spiritisme. Ils filment 10 secondes dans la caisse. Pendant ces 10 secondes, mon fils a traversé la pièce en faisant du bruit et on s'est tous Retourné vers lui en faisant chut, comme ça avec l'index devant la bouche et on a eu en photo un esprit qui en fait faisait le même geste que nous qui faisait comme ça chut, avec le doigt devant la bouche et ben ça je bluffant. trouve ça génial parce que là il y a une véritable interaction entre eux et nous en fait. Voix reçue en direct par Manu Delpech au château de Fougeray, lors d'une séance de guéridon effectuée par Véronique et François geoffroy qui dit arrêtez

Mais c'est bluffant. Ces images sont vraiment bluffantes. J'espère que chez vous, n'hésitez pas à réagir justement en commentaire de la vidéo sur tout ça. C'est assez bluffant. On voit là aussi très bien le visage d'ailleurs dans la brume. Il euh, y a une histoire assez dingue aussi qui vous est arrivée. C'était quasiment au début. Il y a eu un effet poltergeist. Oh. Alors pour les gens qui nous regardent, c'est référence évidemment au film poltergeist qui est une vraie histoire aussi à la base d'ailleurs. Tout à fait. Alors en fait, nous, les, enfin, ce qu'on appelait au départ les effets poltergeist, c'est que si vous voulez, on avait des coups sourds dans les murs. On savait jamais d'où ça venait exactement. Mais alors des coups sourds quand on était en haut, on avait l'impression que ça venait en bas. On descendait. On avait l'impression que c'était en haut. C'était extrêmement Bizarre quoi. Et d'un seul coup, en général, ça précédait ce que les Américains appellent des phénomènes de jotlings, c'est-à-dire des phénomènes de déplacement d'objets. Mmh. Et ces déplacements d'objets ont démarré d'ailleurs dans le, le, la, le couloir qu'on a vu juste avant, la chambre du chevalier. là Voilà, ça a démarré là euh, et dans la chambre de la grand-mère. Et alors, ça, les déplacements d'objets, moi, la première fois que c'est arrivé, je suis j'ai quitté le château. Ça, c'est la chambre de la grand-mère. J'ai quitté le château et j'ai dit à mes, à mes copines, Là, c'est trop pour moi, je vous laisse. En fait, euh, j'avais un jeu de, de croquet avec des boules en bois qui étaient rangées au premier étage. Et on était au second dans le couloir. Et il y a une, une boule qui arrivait du fond du couloir. Qui est passé à, pff, je sais pas moi, à, à 20 cm de la tête de quelqu'un, qui a claqué au sol et qui a fait les 15 mètres qui restaient de couloir. Et, euh, et cette boule, euh, on n'a pas compris, euh, personne ne l'avait jetée, rien. Et après, chez la grand-mère, on a eu euh, les deux tables de nuit que vous voyez, le bois qui se met à craquer, les tables de nuit qui s'avancent. Mais alors, quand elles s'avancent, elles s'avancent de 40 cm et c'est très rapide. Ça fait euh, fouf, comme ça. Mmh. On a eu des micelles, vous savez, les petits livres de messe là, qui sont balancés euh, à travers la pièce. Enfin, on a eu des trucs impressionnants et ça a démarré pas mal dans cette chambre. Alors, euh, le problème, c'est que personne ne sait d'où vient cette force puisqu'en fait, il euh, y a une vraie force. Moi, j'ai vu des placards remplis de vaisselle avec 100 kg de vaisselle à l'intérieur vibrer comme si vous aviez un géant qui prenait ouais. le placard et qui le faisait trembler. Par contre, on a tous constaté une chose, et les scientifiques qui travaillent sur ce type de phénomène l'ont constaté également. Si vous avez un objet métallique qui est très froid l'hiver, qui se déplace, quand on le ramasse, il est chaud. Et tout le monde a constaté que l'objet changeait de température s'il se déplaçait grâce à un phénomène de Jotlings. Et ça, ça veut bien dire que physiquement, il se passe quelque y y chose. Il y a quelque chose, totalement. Ça, c'est marrant justement si on reste sur cette image de la chambre de la grand-mère. Vous, vous nommez les chambres. Alors il y a la chambre de la grammaire, la chambre du chevalier, etc. Comment vous pouvez savoir à qui elles appartenaient Est-ce que vous êtes renseigné Est-ce que les invisibles vous l'ont dit eux-mêmes comment ça se passe autour de l'histoire de tout ça finalement chaque chambre a un peu son invisible j'ai l'impression. Tout à fait alors en fait ça c'est pas nous, c'est qu'au début au tout début on avait des manifestations ici par exemple tactiles style caresse dans les cheveux des choses assez maternelles et euh, plusieurs médiums voyaient quelqu'un assis au pied du lit et ils me disaient il y a une dame qui est assise au pied du lit et elle arrête pas de dire j'attends que mon mari vienne me chercher alors les médiums leur expli expliquaient à la dame que euh, bah, son mari ne viendrait plus la chercher puisqu'elle était décédée et elle n'avait pas conscience en fait de son décès et c'est vrai que et par rapport euh, aux entités qui se manifestent dans les chambres, on les a, nous, entre nous, à la base, intitulées comme ça. La grand-mère, on n'avait pas son prénom, c'est la chambre de la grand-mère. Le chevalier, c'était la chambre du chevalier. Bon, on a eu des prénoms après. Alice ça a toujours été la chambre d'Alice. Qui est Alice Alice est euh, en face euh, cette chambre. C'est une jeune femme qui est décédée à 22 ans. Euh, et en fait, euh, bon, on l'a souvent euh, en spiritisme, Alice. Euh, et c'est vrai qu'on on a donné, en fait, euh, aux chambres le nom de l'entité, de l'invisible qui se manifestait le plus souvent, euh, qui était encore. Et là, on a l'impression que les invisibles que vous côtoyez dans ce château sont à peu près tous sympathiques. <laughs> mais est-ce que... Bah, moi, je, voilà, j'ai regardé des films d'horreur, j'en regarde, mais est-ce qu'il y a vraiment, au sein du château de Fougeray, des invisibles à qui il ne faut surtout pas parler, par exemple Non. Avec qui il ne faut pas rentrer en contact, qui peuvent être un petit peu... Euh... Voilà. Euh... Non, on a, eu, on a eu des... Ils ont de l'humour, faut pas croire. Ils gardent des traits de caractère de leur vivant, les, les défunts. Vous voyez ce que mmh, je veux dire ouais. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de tout sacraliser, mais finalement, euh, euh, ils sont capables de déconner, de vous mener en bateau sur des trucs. Non, il n'y a pas de, d'invisibles, si vous voulez, réellement dangereux, mmh. euh, qui nous ont euh, un jour fait réellement très peur, euh, qui ont été menaçants, etc. Moi, j'ai jamais eu ça à Fougeray. Il faut dire que on en parle d'une façon extrêmement libre maintenant, mais on les respecte, on les considère presque comme des gens de notre famille, d'ailleurs. Et parce vous que vous vous y êtes attaché. Ah oui, de certains, ouais. Mais oui, on y est attaché. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les connaît maintenant. Mmh. On, on, on les connaît vraiment. On sait de quoi ils sont capables. Euh, on connaît leurs traits de caractère. On, euh, on s'est renseigné sur de leur vivance, qu'ils ont vraiment vécu, le peu d'archives qu'on a lorsqu'on en a, c'est intéressant. Et on voit comment ils agissent vis-à-vis -vis de nous.